La fellation, est-ce que c'est halal ou haram? Bien évidemment, on parle dans un contexte de mariage. On va aller voir l'opinion des quatre madhahab, des quatre écoles. Donc, Imam Shafi'i, il dit que c'est permis pour l'homme et pour la femme. Imam Ahmed, il dit que c'est permis, mais certains d'entre eux dans le Hanbali madhab disent que c'est makruh. Imam Malik, il dit que c'est permis d'embrasser les parties génitales, mais que c'est très makruh. Et Imam Abu Hanifa, donc les Hanafis, disent que c'est 100% haram.